adolescent. Ne dites pas de sottises, mais que faites-vous là? Eh bien, je suis coincé depuis 3 jours. Si vous pouvez m'aider à sortir. Mais comment avez-vous fait pipi? Je ne l'apprends pas. Comme vous voulez. Mais que diable faites-vous dans une cheminée? Vous préférez en bas ou pas? Vous m'aider? Et puis zut, je ne suis pas là pour juger. Enfin, merci Marie-Louise. Une chance que vous passiez par là. Je me baladais un peu avant de rejoindre les enfants. D'ailleurs, comment vont Jeanne et Michel? Vous voulez dire Jackie et Michel? Non, vous ne vous occupez plus de Jeanne et Michel? Non, non, de Jackie et Michel. Très charmant d'ailleurs. Bon sang, par exemple, ça a bien changé. Tant de souvenirs que nous avons ensemble. Vous vous souvenez de notre première rencontre? Oui, près du lac. J'étais tellement enchantée. Et moi, j'étais bourrée et je me rappelle que je voulais vous dire bonjour, mais que la seule chose qui est sortie, c'est... Oui, je m'en rappelle. Et vous étiez mis à préparer des cocktails. Ah oui, je m'en souviens, je vous en avais préparé un. Vous l'aviez aimé? Ok, oui. C'est vrai? Non, j'ai failli vomir. Mais peu importe. Et oui, c'était longtemps, très longtemps d'ailleurs. Ça vous fait quel âge en fait? Voyons, ne soyez pas grossier. C'est mal élevé de demander l'âge d'une dame. En plus, je ne suis pas si vieille. À votre avis, quel âge j'ai? Vous l'avez dit, ça ne se fait pas de dire l'âge d'une dame. Mais d'après mes calculs, j'irais que vous étiez dans la même classe que Moïse le prophète. Écoutez, j'aimerais vous parler de quelque chose. Eh bien, je vous écoute. Nous sommes certainement le seul couple Disney évident. Nous sommes aussi le seul à n'avoir jamais conclu. Que diriez-vous enfin déclarer notre amour au grand loup? J'ai peur de ne pas vous comprendre. Embrassons-nous, laissez-moi danser avec vous et ramenez votre cheminée. Il est tard, hein, je dois partir. Je ne vous plais pas, c'est ça? Je préfère ne pas en parler.